Pourquoi dit-on « faire la mouche du coche » ? Ben oui, pourquoi ? Faire la mouche du coche désigne quelqu'un qui s'agite beaucoup sans rendre de réels services. Et c'est à Jean de La Fontaine et ses célèbres fables que l'on doit cette expression. En 1678, dans la fable « Le coche et la mouche », La Fontaine raconte l'histoire d'un coche dont les 6 chevaux, qui le tirent, n'arrivent pas à se sortir d'une situation difficile. Un coche était autrefois un véhicule de transport public tiré par des chevaux. Il transportait surtout les gens pauvres, les riches ayant leur carrosse personnelle. Or donc, dans cette fable, une mouche intervient et s'affaire de façon très désordonnée. Mais une fois que le véhicule est sorti de son mauvais pas, elle s'en attribue tout le mérite. La Fontaine en tirera une morale simple, mais limpide. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires, ils font partout les nécessaires et partout importuns devraient être chassés. Il ne me reste plus qu'à vous dire que si jamais quelqu'un loupait l'heure de départ du coche, il ratait le coche, ce qui a donné naissance à l'expression qui signifie maintenant manquer une occasion. Et ben voilà, vous savez tout sur les mouches et sur les coches.